Salut tout le monde. On va commencer notre petite vidéo sur poulet patate, enfin plutôt cuisse de poulet et pommes de terre. Donc on fera, pour rappel, on va faire une jambonnette. Donc on va désosser pour avoir une jambonnette. Ensuite, on va désosser totalement la cuisse pour avoir une ballotine. On fera avec les os un fond de volaille et avec les pommes de terre, on fera des pommes croquettes. Ok? Donc je vous montre un peu. On aura besoin de pas mal de choses. Alors, ici, dans cette cuisse-là, on va cuire nos pommes de terre. Ici, on va faire notre fond de volaille. Là, tout à l'heure, ce sera, vous verrez, on va faire rissoler, donc on va faire revenir la viande avec coloration. Une fois que les pommes de terre sont cuites, on va récupérer cette rousse-là, on va la laver et on va faire cuire, on va pocher, donc cuire dans un liquide, on va pocher notre viande à frémissement. On a nos deux cuisses de volaille, ma superbe installation, on rigole pas. On aura besoin de gros sel, de poivre, d'une balance, une poche à douille pour tout à l'heure, une pince, ok? Donc des petites choses comme ça. Là, je vous avais montré, donc ici, sur cette ligne-là, du sel, donc champignons. Vous verrez, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 6, puisque c'est pour farcir juste deux cuisses de volaille. Une demi-échalote. Un peu de persil qui est déjà fané, mais c'est pas grave. Le beurre, rassurez-vous, on va pas utiliser tout le beurre. On a nos œufs. Ici, de la chapelure. Donc, j'avais plus de chapelure. J'ai utilisé des croutons. On a nos pommes de terre. Ici, j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé, j'en avais, des petits champignons. Ok? On va les laisser entiers et ça va nous servir de petite garniture. Ça, je vous montrais tout à l'heure, c'est de l'arôme pâtrelle. Okay, ça va donner une couleur plus foncée à notre fond. Donc moi, j'aime bien utiliser. Et là, on a ce qu'on appelle une garniture aromatique. Il va nous manquer du thym, du laurier, mais je n'en ai plus. Donc on va faire simple. Donc carottes, céleri, un petit peu d'oignon, un peu d'échalote. Et ça, on va mettre dans notre fond, la passoire pour passer les pommes de terre tout à l'heure. Donc là, on va commencer. Alors, la première chose à faire, donc, on va récupérer nos pommes de terre. Parce que les pommes de terre, on va partir sur à peu près, on va dire, 20 minutes de cuisson. Donc, je vais venir et dans ma russe, je vais mettre de l'eau. Les pommes de terre, on n'oublie pas, c'est un légume qui se cuit toujours des parts eau froide. Donc, on va mettre environ un litre et demi d'eau. Okay? Donc là, vous pouvez voir. Je vais venir regarder est-ce que mes pommes de terre sont de la même taille. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir. Je vais prendre un petit torchon. On va venir les tailler pour qu'on ait une cuisson uniforme. Donc là, je vais prendre ça, je vais le mettre ici. Alors là, ça c'est important qu'on ait notre cuisson uniforme. Donc je vais venir couper et celle-là, je vais la couper en trois. Ok, baisser un petit peu. Là, je viens. Et je rajoute mes pommes de terre dans ma housse. Ce qu'il faut faire, on va prendre du gros sel. Okay? Quand on va saler une préparation, on met à peu près 15 grammes de gros sel par litre d'eau. Okay? Donc là, je vais venir rajouter à peu près 15 grammes. Et je vais allumer mon feu. Faire ma plaque plutôt. Des pommes de terre cuisson à frémissement. On oublie, en fait, on a tendance à croire qu'en cuisine, on cuit tout
à ébullition. C'est faux. C'est faux. Là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'éviter que la pomme de terre ne s'écrase, qu'elle ne se gorge d'eau. Normalement, pour cette préparation-là, l'idéal, ça aurait été de cuire nos pommes de terre au fond sur gros sel, ok, avec la peau. Là, je voulais vous montrer quand même donc la cuisson à frémissement parce que ce sera cette cuisson-là, une cuisson à frémissement sera appliquée à tous les légumes pratiquement. Maintenant qu'on a mis nos pommes de terre en cuisson, on va passer à la volaille. On va se prendre une petite plaque pour nos os. On peut prendre ça, ça prendra moins de place, un petit coup de poule. Donc regardez-vous, là, ce qu'on va faire, on va désosser en chambonnette. Alors, première chose à faire, à chaque fois qu'on a une cuisse, on va venir et on va enlever cette partie-là. Ça s'appelle manchonner. Un coup sec et je l'enlève, je garde. Ok? Donc, on fera ça pour nos deux cuisses. Donc, elles sont dans du papier film puisque quand je les avais achetées, je les avais congelées en prévision d'aujourd'hui. Voilà, un coup sec. Je jette mon papier. Et là, on va passer au désossage. Alors, regardez bien. Je vais venir déjà enlever un petit peu d'excédent de peau. D'accord? On ne jette rien. Ok? Donc là, on va regarder. Il faut qu'on enlève cet os-là. Ok? Donc, je vais venir. On va baisser un petit peu que vous puissiez le voir. Alors, je vais venir et je vais chercher. Déjà, cette partie-là va nous gêner. Ok? Donc, on va l'enlever. Là, comme ça, je viens et je l'enlève. Je la concasse déjà parce que pour le fond, on aura vraiment besoin que, enfin, d'avoir des os concassés comme ça. Alors, maintenant, je vais venir et je vais passer mon couteau tout le long de l'os. Ok? Là aussi, j'ai encore cette petite partie-là qui va m'embêter. Je vais venir l'enlever. Voilà. Pareil. Voilà. Alors, là maintenant, on a quelque chose qui est dégagé. Je viens et j'enlève. Je passe avec mon couteau jusqu'à qu'au niveau du cartilage. Ok? Avec mon couteau, regardez, je vais venir passer en dessous. Ok? Mon couteau traverse et j'enlève. Je récupère comme ça et je vais venir gratter. Ok? Je viens gratter mon os. Une fois que j'arrive au niveau du cartilage, regardez bien. Donc, on voit déjà que je peux enlever comme ça. Donc, je viens et je passe pour enlever, donc, ou détacher. Ok? Et je n'oublie pas, je viens et je concasse déjà. On n'a pas à revenir dessus. Alors, là, on a une jambonnette qui est désossée. Ok? Là, si on rabat ça, on a. D'accord? Alors, on peut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire enlever un tiers du tibia pour ne pas avoir cette grosse partie de cartilage. Donc, regardez bien, je vais venir. Et avec mon couteau, je vais essayer de passer tout autour du cartilage en essayant de ne pas avoir trop de pertes au niveau de la chair. Une fois que j'ai fait ça, j'arrive ici, comme tout à l'heure,
Je gratte un petit peu. Ok. Voilà. Et j'ai dégagé le tout. Donc, on va enlever donc la partie qu'on a désossée. Pareil, même principe, je viens. Et là, j'ai enlevé. Ok? Je mets à côté. Donc là, j'ai déjà mes os qui sont concassés. Ce qu'on va faire, on va garder une partie en jambonnette et une partie qu'on fera en ballottine. J'enlève ça. Donc là, c'est bon. Ok? Là, je vais venir. Et même chose. J'enlève cette petite partie-là. J'enlève celle-là également qui va nous embêter. Je concasse. Et je mets là. On refait l'opération. Cette fois-ci, là, attendez, j'ai ça qui me gêne encore. Je vais l'enlever. Voilà. Et voilà. Là, j'ai tout enlevé. Et pareil, on n'oublie jamais de concasser. Je jette un œil sur mes pommes de terre pour qu'elles ne soient pas ébullition. Alors là, même principe, sauf que là, poum, on a dit une jambonnette. Ok? La jambonnette, elle est, enfin la ballotine, pardon, elle est désossée complètement. Donc, c'est peut-être plus simple, comme ça, de tout de désosser complètement. C'est-à-dire que je vais venir et je vais suivre carrément. Là, regardez. J'enlève ici, je passe mon couteau. Ok. Faut pas oublier que sur le poulet, on a. Faut se souvenir de. Voilà, des petits os qu'on peut avoir. Là, je viens. Et comme tout à l'heure, je vais venir passer en dessous. Je fais attention à avoir un geste sûr. C'est-à-dire, je travaille dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Et je viens et j'enlève tout. Là, je regarde comment ça vient. J'essaie de ne pas récupérer du cartilage. Ok. Et là, c'est bon. Là, j'ai tout enlevé et je me retrouve avec quelque chose comme ça. Ok. Là, je vais venir. Regardez bien. Là, ici, vous voyez, on n'a pas de chair. On va enlever un petit peu de chair ici, okay, qui peut être comme un petit excédent, et on va venir le replacer là. Ça, on met de côté. Je me lave les mains et on passe sur. On va mettre au frais, okay, notre volaille, et on va passer sur la duxelle. Donc ça, je mets au fond. Alors, concernant la duxelle, on va laver notre planche avant. On revient. On va passer à la duxelle. Alors, la duxelle, c'est une farce. Ok? On va tailler nos champignons. Donc là, je les ai déjà lavés. Les champignons, quand je les lave, parce que le champignon c'est une éponge, je viens, je mets dans une petite passoire comme ça et je viens laisser l'eau couler dessus. Okay? Donc là, j'ai mes champignons que j'avais déjà lavés. Et regardez bien, on va venir juste les tailler comme ça et on va les hacher. Donc là, je viens, je taille mes champignons. Donc prenez votre temps, hein. Ne vous coupez pas. Le plus important, c'est toujours d'avoir les doigts comme ça. Ok? Je viens et je taille mes champignons. Je vais les hacher après. Parce
que là, la duxelle, en fait, on va commencer par en cuire les champignons et après, on mettra les échalotes dessus. Donc, c'est important d'avoir tout prêt. Là, je vais mettre mes échalotes et mon persil de côté. Regardez bien le geste. J'ai ma main opposée qui est sur le couteau et je vais venir comme ça, venir hacher comme ça et on ramène. À chaque fois, on vient et on ramène le tout. Après, une fois qu'on a fait ça, on va débarrasser et on va passer à l'échalote et on va finir par le persil. Donc, j'essaie de hacher assez fin. Ok, je ramène tout, j'enlève sur mon couteau. Ok, là, je vais vous montrer. J'ai des pommes de terre qui sont en frémissement. Je baisse légèrement. Voilà. Et on revient ici. Donc, je continue. Voilà. Là, on va laisser comme ça. Et on va mettre de côté. Si vous avez une corne à pâtisserie, vous pouvez la récupérer. Comme ça vous permet de tout prendre. Okay. Voilà, je récupère tout. Voilà. Je prends maintenant. Je vais prendre mon échalote. Et regardez bien. Ciselé finement, on va venir par passer comme ça. On va inciser, je ne vais pas jusqu'au bout. Ok? De façon horizontale. Après, on va venir de façon verticale faire des petites entailles. Ok? Je change de couteau puisque la gestuelle sera plus simple avec celui-là. Et regardez, je viens et je vais venir ciseler finement. La duxelle, c'est une farce qui va cuire vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut que chaque élément qui compose la duxelle soit taillé finement. Je mets ici. Là, écoutez bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va déjà allumer notre plaque. Ok? Voilà. Là, j'ai mis du beurre dedans. Je vais mettre ma plaque à feu moyen. Je mets à 5 et je viens et je vais hacher mon persil qu'on mettra à la fin. Voilà, donc la même gestuelle, je viens et comme ça, je ramène, j'enlève sur le couteau ce qu'il y a et j'ai mon persil haché. Ce qu'on va faire, je vais le laisser ici sur ma planche. Alors, là, on regarde. On va augmenter. Je vais faire un peu de place pour que vous puissiez bien voir. On va rapprocher tout ça. Ça, on va mettre ça là. Et c'est bon, normalement, je pense que vous voyez bien. On a mis ça. Donc, là, on voit bien, on baisse un peu la cuisson des pommes de terre. Ici, on va augmenter. Là, je vais passer à, on va dire, 7 sur la plaque. On va déjà mettre les champignons.
On va attendre que les champignons relâchent leur eau de végétation. L'eau de végétation, en fait, c'est toute l'eau qui est contenue dans les champignons. Cette eau-là, une fois qu'elle s'est évaporée, on va rajouter les échalotes, on va mélanger et on va finir par le persil haché. Okay? C'est une farce qui doit rester relativement blanche. Donc, je vais venir, j'attends un petit peu. Okay. Et là, je viens et je rajoute. Je rajoute mes champignons. On va laisser chauffer. Pendant ce temps, on va prendre notre petite rousse. Dans cette petite rousse-là, on va venir et on va mettre de l'huile. On a nos champignons qui commencent à chanter. Donc c'est bien. Là, je vais venir rajouter un petit fond d'huile. Ok? D'accord? Et je vais augmenter. Là, cette petite rousse-là, ce sera pour notre volaille. Là, on voit bien, vous voyez, là, on a, vous voyez là, on a la petite eau, okay, qui commence à s'évaporer. On va venir mélanger. Donc, comme je vous dis, ça va très vite. Pendant ce temps, je viens et je mets à côté de moi ma volaille. Donc là, voilà, vous voyez bien. Donc cette eau-là, on la laisse évaporer. On vient. On a choisi du beurre parce qu'on ne vient pas porter à une trop forte chaleur. Le beurre fond, le beurre brûle vite. Ok? Mais là, comme on sait que c'est une farce où on est sur un feu assez doux, donc là, ça y va. Alors là, j'ai mon eau de végétation qui s'est évaporée. Je viens et je rajoute ma demi-échalote. Je mélange bien. Je vais rajouter mon persil haché. Une farce avec une belle petite couleur et bien sûr je n'oublie pas d'assaisonner. Je mets toujours mon index sur le sel parce que la partie blanche elle a tendance à sortir de temps en temps. Alors je viens, je sale, je vais volontairement poivrer avec du poivre en grain. Okay. Là j'ai mon huile est chaud. Donc j'essaie de faire plusieurs choses à la fois. Voilà, je mets la route. Et là on va goûter la farce. Voilà. On est assez assaisonné. La fenêtre. Je la débarrasse. Je pousse ça. Là, vous voyez bien. Je la débarrasse. Ok. On va regarder du côté de notre volaille. On va pas mélanger constamment. Là, on a besoin d'avoir une caramélisation. Donc là, je mets ici et je laisse. Ok, on va venir et on va s'occuper de notre garniture aromatique. La garniture aromatique, donc c'est oignon, carotte, céleri et on peut mettre un bouquet garni, c'est-à-dire du laurier, du thym, des feuilles de persil. Mais là, j'ai pas tout ça, donc je vais faire assez simple. On passe sur notre garniture aromatique.
Donc on a dit qu'on va venir. Et au niveau de la taille, étant donné qu'on a un fond qui va cuire quand même, on va dire là on a un petit fond, on va laisser cuire moins d'une heure. Donc on va venir et on va tailler comme ça. On n'a pas besoin de tailler très fin. Okay? Donc je taille mon céleri. Je viens, je vais tailler ici, on va faire une taille qu'on appelle mi-en-poids. Ok? D'accord? Alors, là, pareil pour ici, je taille carrément en deux et je viens tailler comme ça. Et les carottes, je vais vous montrer une petite taille. On va la tailler en deux, dans le sens de la longueur. On va tailler chaque morceau en deux. Okay, chaque moitié, et on va faire une taille en paysanne. La taille en paysanne, ça donne des petits triangles. Okay? On vient et on taille en paysanne. Donc quand on dit des petits triangles, okay? Donc là on a notre garniture aromatique qui est prête. D'accord? J'ai tout ça. Je viens regarder. J'ai ma volaille qui commence à colorer. Là, on a vraiment besoin de quelque chose un peu plus coloré que ça. Donc, je vais mettre ma corne. Là, il faut être patient. Ok? On va passer, on va vérifier avec la pointe du couteau la cuisson de nos pommes de terre. Qui sont cuites. Donc on va passer à nos pommes de terre. C'est à ça. Et on va passer ici. Alors, les pommes de terre, j'avais récupéré la passoire. Je vais lever un peu que vous puissiez voir. J'avais récupéré la passoire. On va passer nos pommes de terre à la passoire. On va garder notre russe. Okay. Et je vais vous expliquer. Les pommes de terre, il faut toujours les travailler à chaud. Okay. Si on ne les travaille pas à chaud, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont devenir la pulpe. Donc la pulpe, c'est ce qu'on obtient quand la pomme de terre est cuite. Elle va devenir élastique. Okay. Elle va corder. Donc je passe avec ma cuillère, je vais venir. Et je passe ma pomme de terre au tamis, ce qui va me permettre d'avoir une pulpe très très fine. Ok? Donc, je fais tout ça et je travaille à chaud. Là, étant donné qu'on a cuit nos pommes de terre dans un liquide, donc dans de l'eau, il nous faudra dessécher la pulpe. Donc, on va venir et à feu doux. Donc, je récupère bien sûr tout. À feu doux, on va venir la dessécher. Je me mets à 4. Okay? On n'oublie pas de mélanger de temps en temps notre viande pour le fond. Et là, je viens. Et comme ça, je viens dessécher. Je vais prendre autre chose. Une petite cuillère qui fera peut-être moins de bruit pour vous. Elle est cassée, mais c'est pas grave. Et là, je viens et je dessèche. Je dessèche ma pulpe. Une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer donc une petite calotte. Okay? Et je mettrai ma pulpe dedans. Okay? Donc là, on fait plusieurs choses à la fois, mais c'est aussi ça, il faut savoir s'organiser. On regarde, là on a une viande, c'est pratiquement bon. Vous allez voir que vous aurez quand même, on aura la volaille qui aura lâché du gras. À un certain moment, il nous faudra dégraisser. Okay? Donc là, j'ai une fine pellicule dans le fond, on la voit, j'ai une farce. C'est une pulpe de pomme de terre qui est sèche. Je viens et
je la débarrasse. Ok. Là, ce qu'on va faire, on va venir et à cette pulpe, on va rajouter une petite noisette dedans. On va voir si on en rajoute encore. Et on vient incorporer ce beurre à notre farce, enfin à notre pulpe. Ok? Là, je viens. On va rajouter un petit peu encore. J'éteins ça. Voilà. Donc là, le fait que la pulpe soit chaude, ça nous permet de bien incorporer le beurre. Je regarde. Là, j'ai quelque chose avec une belle coloration. Je vais venir rajouter dedans ma garniture aromatique. Et pareil, je vais continuer de colorer. On a quelque chose qui est vraiment très joli. Et je continue. Okay? Là, on revient ici à notre petite farce. Et là, on avait tout à l'heure, vous avez vu en mise en place, on avait des. On va venir, donc on n'oublie pas, hein, comme sur les dernières vidéos. Ok, on se met notre petit papier pour ne pas salir notre poste. J'avais déjà prévu ça pour les jaunes. Je baisse un peu que vous puissiez voir. Là, mon pot pour les blancs, parce que bientôt il y aura une vidéo où vous aurez besoin de blanc. Enfin, du moins, on aura besoin de blanc. Je viens et je récupère mon jaune. Là, je vous vois déjà en train de réfléchir. Quelle vidéo on va faire où on aura besoin de blanc? Peut-être que certains vont trouver rapidement. Mais vous verrez, je me lave des mains. Donc on n'oublie pas, hein, la salmonelle sur les mains. Ensuite, là, on revient ici. Je jette un petit coup d'œil quand même sur ma farce et je vais venir rajouter mon jaune. Ok, je mets pas tout, hein, j'en ai laissé un petit peu quand même. Et je viens à cette farce là rajouter mon jaune. Je l'incorpore bien. Là, en termes de travail, on est à peu près, enfin, ça ressemble un peu à la réalisation d'une pâte à choux dans la gestuelle, hein, pas dans les éléments qu'on rajoute. Là, j'ai quelque chose qui n'est pas, okay, quelque chose qui n'est pas liquide. D'accord? Je vais venir récupérer une Maryse. D'accord? Donc la Maryse, on n'oublie pas, c'est ce qui nous permet de récupérer donc les appareils, hein, comme ça. Je cherche la Maryse. Et on récupère notre poche à douille. Regardez bien. La poche à douille, on va la prendre comme ça. On va l'ouvrir. On met la main, vous voyez là, dans le petit creux, on vient passer la main, ok, et on fait descendre, d'accord? Le fait de faire ça, ça va nous permettre de ne pas mettre, de ne pas salir ici. Donc je viens, je jette un petit œil sur, et vous devez avoir l'œil partout, hein, pour cette recette-là. Alors, je viens gratter ici, ça on en a plus besoin. Et avec ma Maryse, je viens et je mets mon appareil, ok, la pomme croquette dans ma poche à douille sans la, donc sans salir les bords, parce que c'est quand même désagréable d'en avoir partout sur les mains. Et là, je viens. Ok, là ce qu'on va faire, on va laisser ici quelques minutes,
on revient là-bas à... Ok, donc là vous voyez, j'ai beaucoup de gras. Je viens et je vais dégraisser un peu. Ça, je vais mettre ça ici. Donc je viens dégraisser. Je me remets sur le feu et je vais venir récupérer un peu d'eau. Alors là, je viens et à ce stade-là, vous voyez, à ce stade-là, je viens et je vais mouiller à hauteur. Rajouter un tout petit peu d'eau, je vous montre. Donc on mouille à hauteur, voilà, mouiller à hauteur, c'est ça, ok. Et là, petite astuce, on va venir rajouter quelques grains de poivre, ok, et quelques grains de gros sel. Ça va favoriser les échanges d'arômes, pardon. Et je viens rajouter, parce que là vous avez vu, on a quelque chose de clair pour l'instant. Et moi j'aime bien les sauces un peu foncées, donc je vais venir rajouter l'arôme pâtrelle, c'est de l'oignon caramélisé, ok. Et là on va regarder, et j'ai quelque chose qui est tout de suite plus foncé. Et là on va laisser cuire. Regardez, je vais mettre, on va laisser cuire à peu près, on va dire 40, ouais, on va partir sur ça, 40 minutes, ça suffira. Ok. Alors, là, on a plusieurs choses à faire. On va venir ici. Je vais enlever tout ça, ça on n'en a plus besoin. Ça, ça. Ça et ça. Regardez, je pousse. On va venir pousser avec notre pomme, notre appareil. Ok. On va couper ici avec des ciseaux. On va couper le bout. Voilà, comme ça. Et là, on pousse. On pousse notre appareil. Et on est bon. Je vais jeter ça. Je vais tenir un peu la haute pour qu'on s'entende mieux. Et regardez bien. Je vais venir prendre une assiette. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends une assiette. Sur l'assiette, je vais mettre du papier sulfurisé. Donc une bande de papier. D'accord, je vais le repliquer et regardez bien la corne. Je vous montre, on a la main, on met dans la paume de la main. Là, pour être plus à l'aise, regardez, je vais enrouler autour de mon index et je pousse avec mes doigts pour faire en sorte que la farce ou l'appareil, ok, sorte. Là, regardez bien, on va venir comme ça. Ok, là, ça va nous donner deux pommes croquettes. Et on fait. Vous allez comprendre pourquoi ça va nous donner deux pommes croquettes. Là, ce qu'on va faire, on va congeler notre appareil. Voilà, et un dernier. Le fait de congeler l'appareil, ça va nous permettre de le travailler plus facilement. Ok? Donc ça, ça part au congélateur. On revient ici un moment. Alors, là, vous allez prendre un peu d'eau et une cuillère.
Vous allez devoir écumer. Je vais vous montrer. Donc là, on a tout ça là, on a de l'écume. Cette écume là, elle a tendance à apporter de l'amertume. Donc on va venir avec notre cuillère enlever l'écume. Et à chaque fois la cuillère, on la plonge dans l'eau froide. Enfin dans l'eau froide, je précise froide, mais ça n'a aucune importance. On la plonge dans l'eau de façon à enlever l'écume. Et là, on laisse notre fond cuire tranquillement. Je fais un petit coup de propre en attendant. Alors, là, j'ai éteint mon fond par mégarde. Je vais le rallumer. Là, là. Ce qu'on va faire, on va passer à nos ballotines. Nos ballotines et notre jambonnette. J'ai déjà pris donc la ruse dans laquelle j'ai fait cuire les pommes de terre. Je la récupère et je mets de l'eau dedans. Je vais rajouter un peu d'eau parce que je pense que je n'en aurai pas assez. Et ça va nous permettre de cuire à frémissement notre volaille. Là, je mets déjà à chauffer tranquillement. Et on repasse ici. Je vais baisser pour que vous puissiez bien voir. Vous aurez besoin de votre farce, de volaille, du sel et du poivre. Cette fois-ci, on va utiliser du poivre moulu, poivre blanc moulu. Et on aura besoin du rouleau de papier film. Ça, je vais baisser ça. Voilà. Le fond, pareil. Frémissement, la cuisson à frémissement est préférable. Je mets un manche sur le côté. Ça, des joints pour éviter que la planche ne glisse partout sur le poste. Et je vais venir filmer. Donc ça, ça va nous permettre de réaliser. Pour le moment, on ne fait qu'une fois. Regardez. Vous prenez une cuillère, on récupère la farce de tout à l'heure, on va venir récupérer notre jambonnette. Là, on va, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, récupérer ce petit morceau-là pour le coincer ici. Ok ? Et là, on n'oublie pas, on va venir assaisonner, ok, à l'intérieur en sel, enfin en poivre et en sel. Une fois que ça c'est bon, à la maison si vous voulez rajouter d'autres choses, vous rajoutez, il n'y a pas de souci. Je viens et je mets ma farce, ok. Je vais venir me servir de ma peau, ok. Donc là, je ramène ça ici. Je vais bien tirer ma peau. Et là, je me sers de celle-là. Ok. Pour bien ramener. Je tiens ma ballotine. Là, l'idéal, ça aurait été d'avoir de la ficelle alimentaire. Mais là, je n'en ai pas. Donc, on va faire sans. On va bien serrer, par contre. Ok. Faire un beau boudin. Et là, je vais l'enrouler comme ça. Ok. Et là, maintenant, il faudra qu'on serre. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes à l'aise et vous faites comme ça. Vous faites glisser. Si vous voyez que ça ne glisse pas. Alors là, vous voyez, je vous montre cette méthode-là sur la jambonnette. Et là, regardez, ce bout de ficelle-là, je vais venir et je fais glisser, ok, comme ça, et je serre. Là, je passe de ce côté-là, ok, et je viens, je serre bien, vous voyez. Et là, voilà. Là, je vais bien serrer.
Et là, ce qu'on va faire, on va remettre dans du film. Pareil, une belle longueur. Je reprends mon morceau ici et je viens comme ça l'enrouler bien serré. Ok, voilà. Et là, pareil, je viens fermer, faire serrer. Voilà, ici. Donc ça, c'est la première méthode. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, c'est un collègue à moi qui l'utilise. Donc ça permet de, voilà, si on n'est pas à l'aise sur la première, de pouvoir faire des belles ballotines et jambonnettes. Donc pareil, on n'oublie pas. Là, l'avantage sur la ballotine, c'est qu'on peut rajouter un petit peu plus de farce. Donc je viens, je sale. Et je rajoute ma farce. Donc pour rappel, hein, du sel de champignon. Et là, regardez, on va déjà, sans le film, on va déjà enrouler de façon à emprisonner la farce. Voilà, à l'intérieur. Là, ici, la peau, on ramène. Et pareil, on vient et on serre bien. Et à chaque fois, on vient comme ça et on serre. Je tire. Et la méthode, c'est celle-là. On va venir rouler. Ok? On tient un côté, on ne le lâche pas. Et on vient. On vient rouler. Et on va, pareil, fermer. Et là, on enlève l'air. Et pareil, on vient. On vient rouler. Voilà. Et on serre. Okay, je serre bien. Et on fait descendre. Ok? Là, on reprend. Okay, notre film. On va en remettre. Et pareil, on va bien, bien, bien serrer. On va bien serrer comme ça. Et pareil, on vient ici. On fait descendre notre nœud. Voilà. Et pareil, ici. Ce qui est important, c'est vraiment, si vous en avez plusieurs à faire en cuir, c'est que tout soit de la même grosseur. Ça, c'est très important. Ok? Donc là, on va venir augmenter légèrement notre feu, enfin notre plaque. Là, je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Là, pour le moment, il nous manque un petit peu de chaleur. Je vais venir prendre un couvercle trop petit parce qu'il faut que toute la viande soit immergée. Ok? Là, on regarde notre fond, il va bien. On le laisse comme ça. Et là, maintenant, je vois, je suis et je commence à être plutôt pas mal. Et là, sur une cuisse de poulet comme ça, quand on fait ballotine et jambonnette, on va cuire entre 15 et 20 minutes. C'est important de garder, pour une viande, on va parler de jutuosité. La jutuosité, en fait, c'est quand on va appuyer sur la viande. Je vais vous montrer. Là, admettons, votre viande est cuite. Quand on va appuyer dessus, qu'on l'aura coupée,
on aura une espèce de liquide translucide qui va s'écouler. Et là, ça nous laisse penser, et pas que penser, on aura une viande qui sera très tendre. On a tendance à trop cuire la volaille, que ce soit un filet de volaille, une cuisse de volaille, etc. Une volaille ne doit pas être sèche quand on la mange. Donc, là, si on a des cuisses, 15 à 20 minutes. Par contre, si on a un filet de volaille, filet de poulet, filet de dinde, on sera plutôt sur 8 à 10 minutes, toujours à frémissement. Donc là, je peux regarder. Okay. Je vais venir mettre mes volailles, mon couvert, trop petit. Okay. Et là, on part sur 8 minutes. Je vais mettre sur mon four, mais pas 8 minutes, pardon. On part sur 15 minutes. 15 minutes dans un premier temps et on va voir. Okay. Alors, là, ça, on ne s'en occupe pas. On a notre volaille en cuisson. On a notre fond. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à regarder si on peut continuer sur notre garniture. Nous revoilà. Alors, j'ai fait un petit peu de vaisselle pendant quelques minutes. On va faire un petit point sur la situation. Là, j'y regarde l'appareil à pommes croquettes. Il n'est pas encore congelé. Il nous reste 4 minutes sur la cuisson des ballotines. Et là, on a notre fond qui, eh bien, il restait 7 minutes. Donc là, on va l'arrêter pour qu'il nous reste quand même de la sauce. On va venir et on va le passer. Dans la profession, on aurait dit, on va le passer au chinois. Là, à la maison, on n'a pas de chinois. Donc le chinois, c'est une espèce de passoire. Nous, on va passer au tamis. OK? Et on va remettre sur le feu. Donc là, je passe mon fond au tamis. Je vais venir et je vais rincer ma russe. Là, à ce stade-là, on peut bien évidemment jeter les os. Là, regardez ce qu'on obtient. On obtient une petite sauce qu'on va venir reverser dans notre russe et on va monter au beurre. Monter au beurre, c'est-à-dire qu'on va venir rajouter. Donc, je mets ici. On va mettre au feu moyen. On va mettre à feu moyen. Et on va venir rajouter des petites parcelles de beurre dedans. On va voir selon la consistance. Là, je pense qu'on va laisser, comme ça. On va voir. Peut-être qu'on va lier très légèrement. Ok. Donc je viens. Petite parcelle de beurre. Deux petites. Le beurre, c'est un exhausteur de goût. Ça va venir donner de la rondeur à notre sauce. Donc là, je remets comme ça. Là, vous voyez la cuisson. Donc on est à 14 minutes. On va vérifier à 15 minutes et on va voir si on rajoute du temps. On va se prendre un petit fouet. Qu'est-ce que je dis là? Le temps de trouver mon petit fouet et ça va nous permettre de réaliser, de fouetter légèrement notre sauce. Et je le lave. Voilà. Très délicatement. La sauce, une sauce comme ça, on ne va pas la mixer. Si on la mixe, on va venir l'éclaircir. Et si vous vous rappelez bien, on a rajouté. En tout début, on a rajouté de l'arôme passerelle pour donner de la couleur à notre sauce. Donc je vais venir comme ça, délicatement, voilà, fouetter et je mets mon fouet de côté. Maintenant, là,
que vous puissiez voir ce qui est en train de se tramer. Ici, mise en place, fané. Donc là, attendez, puisqu'on est à 15 minutes, on va venir vérifier. Donc moi, je vais vous montrer comment je vérifie la cuisson. Je vais prendre ça, je vais mettre dedans. Je vais en enlever un. Ok, j'enlève un. Je vais venir regarder la résistance. Là, comme ça, en touchant comme ça, on est pas mal. On est pas mal et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on va venir colorer cette viande-là. Donc, si on vient là, la colorer à la poêle, on va venir lui redonner une cuisson. Donc, on va laisser la viande reposer tranquillement. Okay? Alors, on va passer à notre panure. Donc, si vous vous rappelez, il nous restait un petit peu de jaune parce qu'on n'avait pas tout mis. Là, en général, on dit panure en anglaise, on va rajouter les jaunes, etc. Là, j'ai mis l'œuf entier pour ne pas avoir de perte. Je vais venir le battre légèrement. Okay. À ça, je vais rajouter un petit peu d'huile dans mon jaune. Voilà, vraiment un petit filet d'huile. Je vais rajouter sel. Et du poivre. Poivre moulu. Okay. Je rajoute mon poivre. Voilà. Ensuite, première étape. Première étape, je vais rajouter, je vais prendre de la farine parce qu'en fait, les pommes croquettes, ou peu importe, quand vous faites une panure, vous allez d'abord mettre dans un peu de farine. Ok? Une fois que vous avez mis dans la farine, vous allez passer dans les œufs. Et ensuite, vous vous souvenez, la petite chapelure, on va venir et on va finir avec la chapelure. Donc là, on a bien nos trois éléments. Ok. Alors, les pommes croquettes ne sont pas totalement congelées, mais on va faire avec. Alors là, on va couper en deux chaque pomme croquette, que ça nous donne, ok, des petites. Donc je me suis lavé les mains. Je vais venir. Malheureusement, j'ai pas de gants, puisque ils étaient en rupture de stock. Donc on vient comme ça et on enlève l'excédent de farine. Okay, je vais décaler un petit peu. Là, je vais essayer de reformer. Okay, vous voyez, lui donner la forme d'un beau cylindre. Voilà. Et je passe dans mon œuf. Je vais baisser un peu. J'ai l'impression que vous ne voyez pas trop bien. Une fois que j'ai passé dans mon œuf, je viens et avec la fourchette, sans l'abîmer, je vais venir récupérer comme ça. Je mets dans ma chapelure. Okay? Une fois que j'ai mis dans ma chapelure, je viens, je récupère et pareil, je viens lui donner la petite forme et je vais remettre ici. Ok, donc on va refaire l'opération. Je viens, je mets ici. Okay. Là, voilà, j'enlève l'excédent de farine, j'essaye de lui donner une belle forme. Je viens ici, je passe dans mon œuf. Ok, là, délicatement, voilà. Là, je vais venir récupérer
avec ma fourchette et mettre dans ma chapelure. Une fois que j'ai mis dans ma chapelure, je viens, je lui redonne une belle petite forme et c'est bon, je mets ici et on enchaîne. Farine, on enlève l'excédent. Pendant ce temps, on n'oublie pas qu'on a notre petite sauce. Il faudra regarder ce que ça donne. Ok, voilà. Ok, donc vous continuez. Alors, on va commencer à passer aux finitions. Vous allez prendre un peu de maïzena, pas beaucoup, ok, comme ça. Ça va nous permettre d'épaissir légèrement notre sauce. On va mettre un peu d'eau, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, et on va fouetter. Ça va nous donner, voilà, notre petit liquide qui va nous servir à épaissir notre sauce. On va venir, on va l'allumer. Parce qu'on n'oublie pas, la maïzena, on va l'utiliser dans un liquide qui est à ébullition. Là, on va venir aussi allumer notre friteuse. On va mettre la friteuse à 170. Ok ? Là, j'ai ma sauce qui est comme ça, vous voyez. Ok, je vais baisser un peu. Là, on la voit mieux. C'est bon? Et là, pourquoi on va l'épaissir? Parce qu'en fait, quand on va la mettre dans l'assiette, on ne veut pas qu'elle coule partout. Donc, je viens, je rajoute au fur et à mesure. Et là, j'ai quelque chose qui est déjà mieux. On va laisser, on va baisser un peu le feu. On va laisser chauffer un petit peu, on va laisser cuire un peu. Okay. Là, j'ai une belle sauce qui fait un peu comme un caramel beurre salé. Ok, là, c'est pas mal. Je vais venir, je vais goûter ma sauce. Là, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fait d'avoir ajouté n'arrome pas très bien. Il y a quelque chose à faire, c'est qu'il faut compenser avec un peu de sucre. Parce qu'en fait, on a un goût très, très prononcé. Donc je vais venir et je rajoute juste un tout petit peu de sucre. Okay. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un petit jus de citron. Je l'ai mis hier. On peut rajouter un petit jus de citron. Et là, on a quelque chose, vous verrez. On va faire quelque chose de très joli avec. Là, on met de côté. On a notre friteuse en attente. Là, on va venir et on va enlever le film sur notre viande. Je récupère ma planche et on revient ici. Alors, ce qu'on va faire, regardez, on aura un petit jus, le jus de cuisson. Pour ne pas le perdre, on va ouvrir notre viande dedans. Ce petit jus de cuisson là, qui a énormément de goût, on va le récupérer et on le mettra dans notre sauce et on va continuer de cuire. Donc vous voyez, j'essaie de bien récupérer ce petit jus là. Je prends mon morceau de viande que je mets là et je fais la même chose avec l'autre. Ok, ça va donner quelque chose de pas trop mal. Donc là, je viens et j'enlève, je mets ici, je vais jeter ça. Ce petit jus, il faut bien sûr le passer aux Chinois ou aux Tamis.
côté, selon ce que vous avez à la maison. Donc là, je récupère mon tamis et je vais venir passer le jus de cuisson de la volaille. Plus quand même, on va pas perdre ça. Et je vais passer ça dans ma sauce. Voilà. Et regardez. Bien sûr, ça nous l'a. Ça l'a rendu un peu plus liquide. On va remettre à chauffer un tout petit peu pour faire une liaison par réduction. C'est-à-dire qu'on va lui donner un petit peu plus de consistance en faisant cuire. Là, on va passer sur les finitions au niveau de la flamme. Regardez, on va venir et on va rajouter de l'huile. On va laisser chauffer. On va laisser chauffer. Ok. Et là, on va passer à la coloration de notre viande. Pour le moment, on a ça. Ok. On a une viande qui n'est pas trop mal, mais qui reste un peu blanche. Au niveau des finitions, on a aussi les protéagulants. On a nos petits champignons aussi. Vous vous souvenez des champignons boutons? On appelle champignons boutons les tout petits champignons de Paris. On va cuire aussi. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va déjà, je vais prendre une petite assiette. On va déjà sauter nos champignons. On va sauter nos champignons dans la poêle. Ok. Je vais les couper. Donc là, ce sera une petite déco comestible. J'en ai pas beaucoup. Okay. On attend que ce soit fumant. Là, je ne sais pas si, comme moi, vous sentez voilà, monter le stress du coup de feu. Donc, le coup de feu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, le moment où on va faire toutes les finitions pour servir des clients. Donc là, je vais récupérer ça. Je vais essayer de cuisiner avec une seule main. Je ne vous garantis pas du succès. On a notre huile qui commence à chauffer. Là, on a notre petite sauce. Voilà. On a notre friteuse. Pour ne pas abîmer, regardez ce qu'on va faire. On va venir et on va les mettre délicatement dedans, comme ça. Je viens et je rajoute délicatement nos pommes croquettes. Et on va les laisser cuire gentiment, comme ça. On les bouge de temps en temps et on met nos pommes croquettes à cuire. Voilà. Donc ça, c'est une araignée. C'est plus intéressant quand on a de la friture à faire. Parce qu'en fait, ça ne garde pas, vous avez bien vu comment c'est, ça ne garde pas le maximum d'huile. Là, on sera un peu moins au calme parce que les garçons se sont réveillés de la sieste. Donc, vous commencez déjà à être habitué. Alors, notre petite sauce, là, on va l'enlever du feu. Là, on a ici qui est fumant. On va venir rajouter notre volaille. Okay. Vous voyez, le fait de ne pas avoir eu la ficelle, on a une viande qui s'ouvre légèrement. Bon, ça n'est pas grave, on va récupérer notre pince. En même temps, la théoricière, du coup, faites ça comme moi. Des champignons, on va venir rajouter, ok, les deux. Là, on va venir comme ça. On va retourner, on a quelque chose qui est long. Alors là on continue, ici c'est déjà bien, on va enlever, là on a ça et on va passer au dressage, on va retourner ce morceau là comme ça, celui-là on va le retourner comme ça,
on a nos petits champignons. On va les assaisonner. On a notre viande. Ok, on a une belle couleur. On a nos petits champignons. On a nos pommes croquettes qu'on va récupérer. Et qu'on va mettre là. C'est de la pomme de terre d'ailleurs. Là, ici, on a notre sauce. Ok. On va lui donner un meilleur aspect. Ok. En enlevant les petites particules. Vous voyez, le fait de voir le fond, ça veut dire qu'on a une sauce qui a la bonne texture. On va éteindre ça. Il est important de laisser reposer la viande. Ok, on va la laisser reposer. Ça nous laisse le temps de récupérer notre assiette, enfin nos deux assiettes, parce qu'on va passer au dressage. Moi, je vais vous dresser une assiette ou je vais vous dresser les deux. Allez, tiens donc. Là, on va passer aux finitions. On va passer aux finitions. Arrête. Là, on va passer aux finitions. Regardez, ici, on a donc la jambonnette avec l'os. On va venir et on va couper juste en haut. Ok? On va vérifier la cuisson. On est pas mal. Ok? Et je vais venir couper ici, comme ça, en petites rondelles, délicatement. Oui, d'accord. Là, vous pouvez regarder en termes de cuisson, on est bien. On va venir et la ballotine, on va la dresser différemment. On coupe, pardon, on va couper les deux extrémités. Une fois qu'on a coupé les deux extrémités, on va venir couper légèrement en biais, comme ça. Ok. On va disposer nos pommes croquettes, comme ça. Là, comme ça, on va donner du volume. On fait la même chose pour l'assiette suivante. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre ici. Comme ça. Et comme ça. Et ça, on va poser ça ici. Ici, on va dresser différemment, c'est-à-dire qu'on va juste poser là et là. Okay. On va rajouter, on a des petits champignons. On va venir en mettre ici. On va en mettre 5 là et là. Ici. Oui, attends, pour que je finisse ça et puis je te fais ton biberon. Là, ici et ici. Ok. À ce stade-là, il va juste nous rester notre petite sauce qui a réduit, qui est devenue un jus. Délicatement. Vous allez pouvoir regarder nos deux assiettes. Ok. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit peu de cerfeuil si vous avez. On voit bien la farce à l'intérieur. On a nos pommes croquettes. On a notre sauce qui se tient bien.